Attends frère, s'il te plaît, je vais pas me concentrer. Mais frère, c'est bon, t'as pas dit, tu prends un vêtement chaud, un couteau, il y a des fêtes. Couteau. Mmh. Super idée, Samy. Ça, je me fais bien arrêter par la douane. Mec, oublie pas que les Québécois, c'est des faux Français, hein. Ils parlent notre langue, mais ils sont aussi fous que les gars du Texas. C'est pas pour moi. Et si tu vas-tu que je te plante, mon chum? Tu vas-tu que je te plante? Je suis pas concentré, putain. Elle est où, ma fille? Elle est partie faire des courses, grand-père, elle va arriver. T'as besoin d'un truc? Non, pas du tout. Un pantalon, peut-être. Tu t'en vas? Ah oui, tu sais, dans 4 jours. Je vais vivre chez ma copine à Montréal. Non, grand-père, c'est bon. Tu m'as déjà passé des sous. Ah. Oui, oui. Tu es sûr, hein? Bon. Il est bien à l'ouest. Ouais, c'est pas arrangé, hein. C'est que c'est lui qui m'a fait mon billet d'avion. Putain, ça sera bon. Ah oui, parfois une main. Putain! Quoi? Gros, tu vas pas me croire. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, il est périmé ton passeport. Vas-y, toi. Passe. Maman? Je suis dans la merde, mon passeport il est périmé. Mais non! Mais c'est pas possible, chérie. Oh, viens. T'as prévenu Nina? Non, je sais pas quoi faire. Ouais, écoute, il te reste 4 jours, hein. Bon, ça va peut-être te laisser le temps de trouver une solution, hein. Ouais. Allez. Ouais, parce qu'il a un... Il est lunatique, je reconnais plus. Ouais, la nuit, il se soit sur le lit pour que... Bon, regardez dormir et la journée, il me calcule pas. Sauf quand je vais aux toilettes. Oh, mais je crois qu'il fait une dépression. Ouais. Ça fait 3 fois que j'y vais, hein, chez le véto. Ah, oh, bah, il comprend rien. Ah, ah. Bisous. Allez, ciao, mon chéri. Bisous. Bon, à nous. Alors, je vais vous le dire tout de suite, hein, comme ça, il n'y a pas de suspense. Pour votre passeport, c'est 8 semaines d'attente minimum. Écoutez, hein, fallait venir avant, hein? Si, madame, vous pouvez pas en faire un d'urgence? Écoutez, pour qu'un passeport d'urgence vous soit délivré, vous devez justifier soit d'un déplacement urgent pour des raisons professionnelles, hein, soit d'un déplacement urgent pour des raisons médicales ou humanitaires. Voilà. Oh putain, c'est Nina. Tu sais quoi, je peux pas lui répondre, là, je peux pas lui répondre. Je fais quoi, je me dis ou pas? Non. Non, je me dis pas. Non, non, attends. Mais non, mais je fais quoi? Attends. Je peux pas lui rire. Attends. Putain, c'est bon, j'ai la solution. Frérot, je suis pas médecin. Je suis en première année de médecine, faut te le dire, en quelle langue? Du coup, pour mon certificat à Montréal, c'est mort. Mais non, c'est pas mort. Aide-le, non? Enfin, je sais pas, tu peux pas lui faire un certificat médical, là? Au pire, tu en voles un. T'en voles un à l'hosto, tu peux, dans un cabinet de médecin. Ouais. Non, vraiment, vous êtes des génies. Ah non, faudrait vraiment écrire une étude sociologique sur vous, je pense. C'est phénoménal. Allez. Vas-y, bouge. Vous êtes au bon endroit, les jeunes. J'ai tout ici. L'Éthiopien, du Péruvien, de l'Afghan, même du Sri Lankais. Eh ouais. Ouais, non, juste français, ça ira. Français. Attends, c'est ça ton plan? Ouais. Oh non, frère, c'est mort. Non, 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 je vais finir en tout direct avec tes commandes. Non, non, mais frère, mais... Eh, vas-y, frérot, t'as fait foirer le deal encore, hein. Mais c'est pas grave. Parce que c'est de ma faute, en plus. Bah ouais. Mais tu sais quoi, j'ai une autre idée. Tu sais, j'ai mon grand-oncle Gérald, il a vécu il y a 20 ans au Québec. Et là, il est dans un EHPAD Québec. Frère, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre, t'es plus foireux tout le temps. J'essaie juste de t'aider, moi. Mais moi, ça fait 10 ans que je t'aide, Samy. Ça fait 10 ans que je te sors de tes conneries. Pour une fois, j'avais besoin de toi et tu fais que de la merde. Je crois que j'ai juste besoin d'être seul. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es merde, toi, alors?
Hein? Ici, maman. Avec toi, avec grand-père. Vous avez besoin de moi, de toute façon. Ah ben, c'est peut-être toi qui as besoin de nous encore, non? Écoute, vois ça comme un signe. C'était pas le bon moment pour toi pour partir. C'est tout. Mmh. Mais si elle t'aime, elle va t'attendre. Allez, tu vas être en retard. Demain. Elle est où, ma fille? Elle est de garde à l'hôpital. Elle va rentrer. D'accord. Je pars plus, grand-père. Je vais rester ici. C'est mieux comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Non, ça m'arrange pas du tout. J'ai prévu de mourir. Je veux pas que tu sois là, tu comprends? Parce que tu veux mourir, toi, maman. Ça ne suffit plus de regarder le quartier du haut de ce balcon. J'ai envie de monter un peu plus haut. Ouais. C'est comme ça. Faut regarder le sens de la vie dans le bon sens. Et la tienne de vie. Maintenant, elle commence. Et puis t'en fais pas pour ta mère. Je m'en occupe. Elle est où, ma fille? Elle est de garde à l'hôpital. Elle va rentrer. D'accord. Oh, chez moi ! Hé, frère, c'est qui le meilleur ? Mais qu'est-ce que t'as à crier comme ça ? Monte, quoi ! Mec ! Putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis un putain de génie, frère. Quoi ? Je suis allé voir mon grand-oncle dans le 19ème, ouais. Tu sais, à l'EHPAD. Ouais. Bon, tous ses potes, ils sont morts à Montréal. Mais gros, il en restait un seul. Et frère, putain, il avait une putain de lettre d'embauche. Mec, tu vas pouvoir partir avec un passeport en urgence. Mec, tu vas pouvoir partir. C'est bon.